Yolo les gens, comment allez-vous? C'est Chouki du 67 sur Dead Space pour l'épisode 7 de notre aventure suivie. Donc, on est toujours sur l'Ishimura, je m'en souviens toujours, ne vous inquiétez pas. Et... j'en ai marre. Et aujourd'hui, on est à l'avant du navire qui est en train de se faire démolir puisqu'on traverse un champ de ruines de pierre, tout ce que vous voyez. Et... On a désactivé, enfin quelqu'un, pas moi, quelqu'un a désactivé les défenses de ce vaisseau. Et là, je vais aller casser la gueule à celui qui l'a fait. Ok? Hein? Allez, on monte. Avec ma petite troncheuse là que j'aime bien là. 8 munitions, est-ce que j'ai tous les munitions au max? Ouais, c'est bon. Bon, je descends où? Alors, là, il y a un schéma de tenue niveau 3. Oh, oh non! Oh, même ça, par contre, là, il me le faut, mais là, il me le faut obligé. Je balance. Qu'est-ce que je balance? Je balance ça. Ça dégage. Allez, hop. Et je prends le schéma. Voilà. Ensuite, Ah! Ben voilà le copain! Isaac. Quelle angoisse, cet endroit me rend nerveux. Les débris ont déjà fait pas mal de dégâts. Bon, Kendra ne me fait pas confiance. Mais je ne sais rien du tout à propos d'un monolithe ou quoi que ce soit. Nous sommes juste venus là pour réparer. Rien de plus. Ce bordel, c'est le système de défense. Je dois pouvoir le réparer, mais l'alimentation principale est touchée. Il va falloir le réactiver manuellement, avec au moins 3 panneaux électriques pour remettre le canon principal en marche. Oh, d'abord, il faut activer les ascenseurs de l'atrium depuis la passerelle. Grâce à eux, vous pourrez atteindre les panneaux. À propos, Isaac, faites gaffe. J'ai vu quelque chose, je sais pas trop quoi. J'ai pas bien vu. Mais c'était gros. Très gros. Tu me rassures, hein, connard? Bon, allez. Donc, ce qu'il a dit, il faut activer 3 panneaux pour activer le... Merde! Arrière! Croyez mort quand je l'ai enfermé. Ces horreurs sont coriaces. Il parle à qui, là? Donc, je disais, on avait 3 panneaux solaires à activer pour activer à son tour le canon principal, je crois qu'il est mis. En gros, je l'ai encore pour une même plombée. Bon. Ok. Ok, j'ai à gauche. Ouais, tu prends pas la rambarde non plus. Alors, faut que j'aille où? Faut que je sorte? Ouais. Allez, on sort. Hein? Non? Oh, c'est quoi? Oh putain! Oh la vache! Oh c'est quoi ce délire? Vas-y cours. Tire dans le dos, t'es marrant toi, mais comment tu veux faire? Merde, mauvais bouton! Non, j'ai pas fait la visée, allez cours. C'est quoi ça? C'est un boss ou je sais pas comment ça se passe? Ok, je crois que j'ai calé comment ça marche. Oh. Allez, recharge vite. Bouge ton cul pour charger. Oh. Ah, ça l'a bien, baby. Moi, je me casse. Je suis dans le dos de fou. Oh, non, tu me touches pas, ok? Oh, putain, il se passe pas. Oh, que je cale rien. Mais comme je cale rien! Bon, ouais, ça peut par contre. Ah putain, m'a touché! Oh la vache! What the heck? Allez, soigne-toi, tu t'en bats les couilles, tu te soignes. Oh bordel!
Oh, bonjour. Au revoir. Oh, bordel de chiottes. Vite, recharge, recharge, recharge. Ouh. Il est où? Oh. Attends, 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 attends. Non, je me retourne pas les gens, ok? Je me retourne pas, ne dites pas de me retourner, je me retourne. Mais non, mais putain, je trouve toujours du bouton, ça pète les couilles. Prends tes distances, oh là 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 là, que ça galère. C'est ça que tu m'as dit, ça, ce black? C'est ça ce qui m'a dit le black aussi, qui a dit qu'il était gros? Oh. Bon, je vais tourner autour du pot, hein. Ah, mais... Oh putain, coup de lag. Mais non, t'as pas joué au jeu, t'es méchante. Je sais même pas si c'est une femelle. Mais je crois pas. Mais bordel de chiottes, je vais faire ça comment? Il est où? Non, 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 non. Ah, mais je sais même pas où est-ce qu'il est. Non, non, pas la peine de faire ton jeu là. Allez, meurs, 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 meurs. Oh, oh le délire. Oh le délire. Oh, c'est en fait il a quoi comme tête? Oh putain. Oh, oh putain. Oh putain. Heureusement j'avais acheté cette arme parce qu'elle est vachement pratique. Isaac, ne faisons plus qu'un. Tu veux dire ça dans quel sens en fait là? Juste par précaution en fait. Oh, un plan. Allez, améliorons nos armes. Donc combien est-ce que j'ai de... J'ai 2 points de force. Qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer moi? Pepper, Air Force. Au lieu de ma portée, vous voyez la portée c'est pas si grave pour l'instant. Je crois que j'ai quand même commencé à améliorer ça en dommage. Voilà, un peu plus de dommage, c'est toujours du bien. Et j'avais un machin en ring en cours. R, voilà, R. Un peu plus d'air, voilà. Ok. Comme ça j'ai un peu plus d'air. Et combien j'en ai exactement, je sais pas, j'en ai pendant 90 secondes. Ah, ça va, ça a bien augmenté. Posez-vous. La donna, des dents de trancheur, parfait. Justement, faut que je pense à... Putain, ça me vaut quoi le bouton? Non, 4, voilà. Faut que je le recharge. Voilà. Et celui-là, je l'avais rechargé, parfait. Alors, dans le découpeur et... énergie de placement. Bon, faut que j'aille où? Comment on dit? Ascenseur de l'Atrium activé. Ouais. Ensuite. Oh putain, en fait, le gros trou machin, il se squattait là-dedans. Oh, oh, le carnage qu'il a fait, j'ai même pas collé. C'est cet ascenseur-là, hein? Ok. Bon ben on a commencé l'épisode quand même assez costaud quand même. J'ai bien merdé, faut-il. C'est une mutinerie. Vous serez tous jugés pour mutinerie. Calme, faites-les revenir à la raison. Calmez-vous, Ben. Tenez-le. En vertu de l'article 5469, je déclare le capitaine Benjamin Mathius inapte au service. Le monolithe doit revenir à notre église. T'arrêtes! Pitié! Désolé, Ben. Mais il n'en est pas question. Traître! Hérétique! Tenez-le bien. Meurtrier!
Tenez-le. Ah, dans l'œil. Il est mort. Par votre faute, docteur. C'était un accident, je devais l'arrêter. Arrêtez le docteur. Ok, Yak, c'est bien parti en couille quand même. Wow. Ça comme de tous les sens, c'est abusé. Donc c'était lui le capitaine là? Parce que de ce que j'ai compris. On descend combien de temps là en fait? On monte ou on descend en fait? Je sais rien en fait. En fait, je dis trop en fait. Bon. Oh putain, c'était quoi ça? Oh putain de merde, c'était quoi ça? Oh putain de merde! C'était qui ça? Ah, que quelqu'un me dit que c'était qui? Oh, oh putain de merde! Oh putain de merde! Oh c'est... Oh la vache, c'est qui a gueulé? C'était la meuf qui était sur les 10 000 télés en même temps ou quoi? Oh, j'en sais rien du tout. Et comme j'en sais rien du tout, c'était comment elle s'appelle déjà? Nicole, je crois. C'est quoi ça? Schéma. Choc laser. Ok. On va voir ça plus tard. Par contre, le people qui chuchote, j'aime pas ça du tout. Oh, bordel de chiottes. Ok, lui c'est bon, il est mort. Par contre, lui il est pas mort. Voilà. C'est ce que j'ai dit dans l'épisode d'avant, hein. Si vous voyez un... Si vous voyez un alien par terre que vous avez pas tué, il est forcément vivant. Voilà, bon, j'ai l'habitude maintenant. Et on va voir dans les angles. Bon, lui ça va, c'est encore un humain. Et dans cet angle-là, il n'y a rien. Ok, c'est bon. Les crédits. Pompe à stase. Là c'est fermé. Ah, là c'est ouvert, on voit ce qu'il y a dedans. Énergie plasma. Là-dedans, il y a des dents de trancheur. Et là-dedans, il y a encore des dents de trancheur. Ok, super. Il y avait un bijou. J'avais entendu un bijou. Ouais, on s'en fout. Allez, hop. De gravité fixée sont endommagés. Garde un œil sur toute déformation suspecte devant toi ou sous tes pieds. Ça peut être dangereux. Déformation suspecte devant toi ou sous tes pieds. En gros, ça veut dire... Je sais pas. On va déjà voir. Alors, système vaisseau, alerte manipulée avec précaution. Système vaisseau. Pourquoi? Ça ressemble à quoi? Oh, il y a un son là. Ah ouais, d'accord. Bonjour. Ok, donc je sais qu'il est là. Je peux peut-être essayer de voir à travers ces espèces de je sais pas quoi là. Ah d'accord, c'est ça ce qu'elle parlait. On va voir si ça fait quelque chose. Ça. Oh swag. Ah non. Tiens, en plus c'est des trucs super utiles. Je crois que c'est ce que tu as jeté. Ça va jouer à ces deux. Tu meurs. Ah, tu
t'interfères, un petit con, hein. Un petit con, hein. Ouais, mais je sais pas où t'es passé. Ah, d'accord, c'est ça qu'elle disait, l'autre meuf. Donc, faut que je passe à côté, c'est ça. Ok, nickel. Ah, ah. Non, tu dégages. Oh, le connard. Et Poupa, il a pas suivi son pote. Non, pourquoi il a pas suivi ses deux potes? C'était marrant. T'as pour une fois qu'il y avait un truc de marrant dans ce jeu. Bordel. T'as, tu fais chier, vieux. Enfin, jeune. Enfin, moche. Enfin, vous m'avez compris, hein. Faut que vraiment que je fasse gaffe à ces trucs, hein, sinon je fais pareil, je fais whoop. Et ça fait assez mal, on va dire. Et bon, je pense que si tu te fais démembrer par un... Il sort d'où celui-là? Il va crever? Ça je vois. Il risque de crever par le truc. Oula, mais attends, pas qu'il est derrière. Non, toi tu t'es calme genre tout de suite, ok? T'étais pas censé crever au machin là? Parce que t'en avais 3-4 sur la route, hein? Tu fais chier. Ouah, c'est dans ce genre d'endroit qu'il y a des putains de screamers comme juste avant! Ouah, mais la téléportée de chacal ce truc! Ah, le connard. Récupère son vie en cours. Voilà. Alors, 1800 crédits, enfin 800 crédits et énergie de plasma. Ok. Je commence à avoir un petit stock d'énergie de plasma de nouveau, ça fait du bien. Là, il faut que j'utilise la technique. Ça, c'est du stade, on s'en fout. Télé-Kennedy. Oh, oh, c'était quoi ça? J'ai comme l'impression de fermer tout de suite. Ah, pourquoi ça ne va pas, bordel? Faut que je me libère le passage pour la fuite. Ouah, enfin, je vais essayer un truc, attends. Ah, ça marche pas. Ah, deg. Je croyais faire télékinésie sur les... sur ces mini-trucs, là. Faut que je fasse gaffe au sol en fait, parce que ça se peut que genre tu marches tranquille et d'un coup t'en as juste un qui se casse la gueule devant toi, enfin un machin qui te fait voler au plafond, hein. Là t'auras bien l'air con et ça rime en plus. Ah, oh non, c'est nouveau ce truc géant là. Oh putain, elle est juste là. Oh non, mais je dois me refriter contre ce truc de merde. Ah, bonjour. Il te prend une arme, prends l'arme. Oui, c'est là. Ouais, oh. Ah, mais comme j'aime pas les espaces clos pour faire ça, ah, il casse tout. Putain, ça coûte cher, ces enflures. Merde, non. Non. Reprends la vie, toi. Il est où? Il est où? Oh putain de merde. Ouais, c'est cache retourné, c'est pas bien ça. Vite, reprends ça. Tu le recharges avant qu'il arrive. Dépêche-toi. Voilà. Il est où? Oh fucking shit. Oh fucking shit, putain, c'est de nouveau quoi la raccourci pour l'arme? Ah, c'est les deux, d'accord. Putain, à chaque fois je me loupe, ça me pète les couilles. Oh, merci vieux. Oh, t'es sympa. Ah, t'es sympa, un petit con, hein, en flure. Putain, j'ai presque plus, j'ai plus qu'un seul kit de soin, quoi. T'es fier de toi, connard. Oula. Oh, c'est quoi ça? Ouais. What, mais c'est quoi ce truc?
Encore s'il y aurait de l'eau, j'aurais compris que ça agisse dans tous les sens. Mais là, pourquoi? C'est de l'électricité. Mais attends. Mais je suis comment pour sortir? Ah, ok. Bonjour. Vite. On va te faire électrocuter. Les réparations de la visée avancent. Un des canons me donne du fil à retordre. Continuez. Ouais. Mais je dois faire autre chose maintenant. Ah non, c'est bon, demi-tour les gens. Oh la vache hein. Deux gros monstres mini-boss, je sais pas comment ils appellent ça. Oh la vache, mais le trancher et l'espèce de découpeur là que j'ai là, il est vachement pratique. Oh, je suis content de les avoir acheté du coup. C'est quoi ça? Ah bah donne trancher. Tiens, c'est ce qu'il fallait. Tiens, y a pas un truc stock dans le coin là? J'ai genre deux schémas. Ça c'est quoi? Ça c'est rien. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il y avait les stats. On te le recharge lui ou merde. Merci. Bon. Du coup, ça dégage maintenant. Voilà. Putain, ce gros truc, il a tout cassé. Putain, c'est pas que ça coûte cher, hein. Mais du coup, je pourrais prendre ce qu'il nous dit. Voilà. Ah oui, ça va, il y a de nouveau, c'est machin bizarre, là. Oh, comme j'aime pas quand ça tremble comme ça. Si c'est cassé, je passe par là. Je passe un coin. Ok, c'est bon. Il y a un truc à ramasser ça. Wow, il y a des sales sons, mais comme j'aime pas ça. C'est trop calme. Oh les gens, c'est trop calme. Oh mais... Tu l'as pas vu venir hein, petit con. Et quand même faire peur. Faut bien y être là. Donc du coup, je re-sauvegarde. Là. Et je check le temps. Ah ouais, on est déjà à 22 minutes. Ah ouais, d'accord. Ah, ça passe vite hein. Ah que ça passe vite. Surtout quand on fait beaucoup de choses en même temps. Ah, j'ai oublié de voir un truc. Ah ben j'ai même oublié de voir ça. Ça clignote mais je vois pas, je suis vraiment con des fois. Il est où le truc? Ah, ici. L'arme découpeur. Oh mais tellement de munitions pour cette arme. Oh, je vais trop faire le fier. Ah! Avec la fin, je me gourde du bouton, ça me pétait de la couille. Appel. Y'a personne? Ok, c'est bon. Allez, hop, on remonte. Ou on descend. Je sais pas du tout, en fait, où est-ce qu'on va. Je fais gaffe. Mais est-ce qu'ils peuvent sortir par en haut, là? Parce que s'ils sortent pas en haut, je pète un câble. Dans les jeux, je suis carrément claustro, en fait. Pardon. Bon, c'est fini, merde. Ne me dis pas qu'il y a un troisième gros machin là. Ok. Et putain mais je leur tire dessus de...
Oh, il y en a d'autres. Wouhou. Oh, c'est faux que là, il se ferme tout de suite, hein. Bon, trancheur, c'est nouveau, quoi, le truc? Non, c'est pas ça. Trancheur, non, c'est pas ça non plus. Putain, c'est quoi, le trancheur? C'est 4. Ah, faut que je m'apprenne avec ces boutons, ça peut être les couilles. Ok. Ouah, le délire, quoi. Alors, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Mais bordel de chiottes. Mais putain, mais il y en a encore, mais t'es sérieux, mais... Fous-moi la paix, toi. Fous-moi la paix. Voilà. Capiche? Tu te calmes. Tu calmes ta joie. Ok. Bon, du coup, faut que je recharge toutes mes munitions. Bon, ça, c'est bon, c'est plein. Ça, c'est bon, c'est plein aussi. Ça, quoi qu'on peut me charger, voilà. Et je reprends ça. C'est bon, j'ai des munitions, ok, parfait. Est-ce que je peux prendre ces balles? Oui, large. Je vais laisser prendre. Waouh, le délire. J'ai combien d'argent? 13 000. Oula, est-ce que c'est assez pour acheter la tenue niveau 3, ça? J'ai des doutes. Bon, ils ont rien d'ample, là, les deux cons. Si, énergie de plasma et... T'as rien drop. Putain, tu pètes les couilles. Bon, on doit aller où? J'ai pas vu. Ah, l'autre ascenseur. Je prends quoi là? Niveau 1 d'abord, non? Isaac, écoute ça. J'ai fouillé les rapports médicaux. C'est une bio-régénération. Ça trouve les cellules mortes, les absorbe et leur donne une nouvelle forme. Chaque agent infectieux porte une cellule qui assimile. Quant aux autres, eh bien, elles préparent le corps à être transformé. J'en déduis que les tissus sur les murs sont d'origine corporelle aussi. Un rapport dit qu'ils agissent sur l'habitat du vaisseau. Ouais, tu vois, qu'est-ce qu'il y a avec ces trucs de cellules là? Oh les gens, je suis pas doué en physique chimie là, hein. Donc ils arrêtent ça tout de suite, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a au vrai ici? Lame découpeur et des balles d'assaut. Ok. Putain, y a pas un truc de plus de stock là? Bordel. Petite sauvegarde bien posée. Sauvegarde. Sauvegarde. Voilà. Ok. Je fais gaffe. Ok, il y a du squat par terre. Ok. Bon. Est-ce qu'il se réveille seulement? Non. Ok, ça m'a l'air bon. Ah! Putain! Vous me pétez les couilles! Bon là ça va, j'ai un peu plus d'air. Et... Ah merci. Bon les salles qui étaient ouvertes, avant je les ferai après. Là je vais d'abord... Ah, ok on a... Ah oh, c'est le tout moche. Ok peut-être nous pouvons... De... Ouais mais ils m'ont pas vu ou quoi? Eh oh! Ok c'est bon, m'en vu. Allez fight. Oh, tu t'es calme. Oh mais je t'ai tiré dessus, t'es pas chier. Fouf. Ils sont vachement résistants ces conneries. Oh la vache, mais je... Ah mais c'est inexplicable comme je me fais défoncer à chaque fois. Ah, ah. Parfait, un kit de soins. Ok, c'est bon, nickel. Bon, quoi que je passe sous cette fois.
Là-bas. Ah mais pourquoi on se déjecter, il y a même pas de truc là. Ça vient d'où ça? Que ça venait d'où? Il faut que je passe par où? Je me perds à chaque fois. Ok. Ici. Bon là, il n'y a rien. Ok. Ok, nickel. Dans le tranchère. Ok, parfait. Ensuite. Ah, d'accord, il est là devant le machin. Ah, il y a un machin à ramasser là-bas. Alors, rétablir le système de défense, oui. Au système de défense. Là, c'est quoi? Circuit des systèmes de contrôle rétabli. Non, c'est pas chier. Ça a l'air de marcher. On y est presque. Non, c'est pas chier. J'ai entendu un bruit bizarre. Bon. Je reste sur mes gardes. Alors, je peux jeter... Ça, je jette. Je vais poser. Voilà. Comme ça, je peux prendre ce... Kit de soins. Parfait. Putain, faut que je fasse gaffe à ces machins bizarres. Putain, la vache. Ouais, mais attends. Non, 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 mais d'où tu m'as chopé? Je t'ai tranché la tête. Oh. Oh, 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 oh. Oh oh oh. Espèce de con, t'avais, tu voyais pas qu'il y avait un machin à côté de toi? Mais non, toi tu mets pied dedans. Trop nul quoi. Oh t'es sérieux? Pendant une attaque spéciale, je me fais défoncer. Non, c'était vicieux l'endroit où il m'a attaqué cette merde. Vicieux. J'ai bien trouvé. Transfert d'énergie au système de défense. Putain le connard. Circuit des systèmes de contrôle rétabli. Ça a l'air de marcher, on y est presque. Ouais c'est bien, mais maintenant je fais gaffe. Ah, c'est là-bas que c'est le... Oh putain, je dois refaire le truc de merde. Bon. Bon ben, rebelote alors. Alors je rejette ça. Déposer, voilà. Ensuite, je prends ça. Ensuite, je me casse, voilà, je me retourne et je m'apprête à le défoncer. Allez, viens. Viens. Viens, petit con. Ah ! Derrière ! Putain ! Hein ? Ah, connard ! Mais putain, mais tu vas crever, bordel de chiottes ! Ah, le petit connard. Ah, mon flûre. Ah, mais c'est quoi ces pendules dans tous les sens là? Là, ça me fout en stress, c'est abusé. Et là-dedans, il y a quoi? Oh, bah d'accord, genre un trou sans fond. Là-bas, c'est... Ah, il y a un verrou là. Un verrou de force. Utiliser un point de force pour... Hop, 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 hop. Les points de force, je les économise. Hein. Mmh. Ok, là, il y en a un qui peut se casser la gueule. Ah, on va savoir tout de suite. Pour l'instant, non. Derrière, si je passe derrière. Non, pour l'instant ça a l'air safe. Ok. Zone sans air. Bon là j'ai intérêt à speeder un peu quand même. Parce que l'air est limité. Là il y a un truc à ramasser. Tac. Sortie zone sans air.
Oh, oh merci Dieu. Alors, ah, combien? 1000 crédits. Ah, parfait. Je pourrais quand même m'acheter la tenue, peut-être. Alors, plan. En fait, est-ce que j'ai chopé un point de force, en fait, entre-temps? Je sais même pas. Ah, si, juste un... découpeur. Ok, dommage. Ah, j'ai déjà augmenté le dommage. Oh, merde. Bon, bah, autre chose, alors. Rig... Non, pas tout de suite. Qu'est-ce que j'ai à mener? Trancheur peut-être au niveau des dégâts aussi. Capacité, capacité, dommage. Ouais, hop, petite. Je mets sur les dommages, moi. Hop là. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, en fait, on est où au niveau du temps là? C'est je sais pas, mais. Wouhou, 36 minutes. Ok. Prochaine sauvegarde, je sauvegarde et on se laissera là-dessus. Ok, thanks. Ah bah voilà notre petite sauvegarde. Bon bah c'était un épisode vachement costaud qu'on a eu aujourd'hui. C'était Chucky du 67 sur Dead Space. En espérant que ça vous a plu. Laissez un commentaire. Mettez des pouces bleus et commentez. Je crois que j'ai déjà dit ça. Je sais même plus ce que j'ai dit. Bon, abonnez-vous si ça vous a plu. Et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.